Mes enfants vont être d'accord avec moi pour dire que les tagliatelles, mes tagliatelles bolognaises sont excellentes. Aurélie Ferron, donc je suis associée sur la ferme des Trois Lagunes à Saint-Laurent-Médoc. Nous avons comme activité principale les céréales. Je suis arrivée sur la ferme en 2018. Mon mari était installé depuis 2012. Donc on a monté un petit atelier de transformation du blé en pâte et farine. En ce qui concerne la farine, donc nous travaillons essentiellement sur de la farine T65 à T80. Je fais trois sortes de pâtes, tout simplement parce qu'avec le blé tendre, ce sont les pâtes qui se tiennent le mieux, parce que le blé tendre a la particularité d'être un petit peu friable. Donc je fais des fusilli, des tagliatelles et des coquillettes. Les fusilli, je les décline, donc fusilli nature, et ensuite elles sont déclinées en fusilli au piment d'Espelette. Donc je travaille avec un producteur directement du Pays Basque. Des fusilli aux épinards, et pour terminer, des fusilli au curry. Voilà, et ensuite donc la tagliatelle nature et la coquillette nature. Ma recette préférée, j'ai des enfants, donc mes enfants vont être d'accord avec moi pour dire que les tagliatelles, mes tagliatelles bolognaises sont excellentes. Donc, tagliatelle, la viande hachée directement du producteur, sauce tomate quand on peut effectivement avoir des tomates fraîches, et le tout avec une petite pointe d'origan et du gruyère, et c'est parfait. Alors j'ai fait mes toutes premières pâtes. Donc nous sommes le 28 février 2018, qui fait un temps exécrable. On était en train de faire des essais avec notre formateur. Donc nous avons commencé à faire des essais, à faire des grappes de raisin. Donc les grappes de raisin pour essayer de rappeler un petit peu le Médoc et tout ça. Et la catastrophe, mais catastrophe. Tout s'est frité. À cause du blé tendre, la recette n'était pas bonne. La farine n'était pas super parce que le moulin était en plein réglage. Et donc là, en fait, j'ai craqué. J'ai versé ma petite larme parce que c'est quelque chose que l'on attendait depuis tellement longtemps. Mais le formateur a été vraiment hyper sympa. Il a dit, tant pis, on va laisser ça de côté, on y travaillera dessus et on fera la fusilli, celle qui se fait le plus classiquement. Et puis là, ça a marché. Donc là, effectivement, grand moment de bonheur. C'était 11h30, 11h45 à peu près. J'ai pris, je pense que je devais avoir une centaine de pâtes dans mes mains. La première chose que j'ai faite, je suis partie à la maison, casserole, eau à bouillir, et on a goûté les pâtes, elles étaient excellentes. Et alors là, c'était le summum.